Alors, bonsoir à tous, bonsoir à tous les adolescents aussi qui nous écoutent, les adolescents adultes. C'est incroyable. Heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 4 octobre 2020, 7h02, heure du Québec. Avez-vous fait vos chambres, les ados? Oui, on les a faites. Avez-vous ramassé vos vêtements qui traînent sur le plancher depuis des jours? Ben oui, la porte est fermée, tu ouvres la porte, tu te fais ensevelir par les vêtements qui sont sur le plancher, les papiers, les sacs de chips vides, les papiers de chocolat, les assiettes vides, les vieilles bobettes. Oui, on a ramassé nos chambres. Avez-vous brossé vos dents? Oui, hop! Avez-vous fait tous vos devoirs? Oui, tu viens de recevoir 50 courriels des professeurs qui disent que tes enfants sont en retard dans tous leurs travaux. C'est ça, les adolescents. Et quand tu les aides, t'imagines quand tu les laisses en charge d'analyser la politique, ça devient vraiment, vraiment burlesque. Et ça donne naissance à des aberrations comme Radio-Québec et Alexis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pendant ce temps-là, il y a le vrai monde qui existe, le monde des grands. On va laisser les ados dans le sous-sol, en train de délirer, à écouter Pink Floyd puis à fumer du pot. Pendant ce temps-là, nous autres, on va s'occuper des vraies affaires et du vrai monde. Et vous autres, les cousins français, c'est pas mieux qu'ailleurs, hein? L'Espagne, Madrid est complètement confinée. Les États-Unis, on va y revenir tout à l'heure, c'est désastreux ici. Les restos sont déjà fermés au Québec depuis la semaine dernière. Le reste va suivre. Paris se prépare pour un niveau d'alerte maximal au coronavirus. Ça nous est publié par Medical Express il y a 4 octobre, il y a quelques heures à peine. Paris se prépare ou se préparait dimanche à être placé sous alerte maximale de coronavirus alors que les chiffres alarmants d'infection au COVID-19 semblaient ne laisser au gouvernement français que le choix de resserrer les restrictions dans et autour de la capitale. Et les mêmes adolescents qui disent « Ben non, il n'y en a pas de COVID, c'est juste une petite grippette, il n'y a rien qui se passe. Il n'y aura pas de deuxième vague. » OK, les enfants, tournez au sous-sol, là. Allez écouter du Pink Floyd, puis du Led Zeppelin, puis fumez un bon petit joint à notre santé. Nous autres, on va s'occuper du monde, puis du vrai monde, puis des affaires, OK? Merci. Fermez la porte en descendant, s'il vous plaît, les enfants, puis n'oubliez pas d'aller faire vos chambres après. Les bars et les cafés parisiens sont menacés de fermeture complète dès lundi, après que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que seule une amélioration des taux d'infection au COVID-19 pourrait empêcher une telle mesure. Si les tendances récentes se confirmaient, nous n'aurons pas le choix, a-t-il averti jeudi, affirmant que de nouvelles restrictions signifieraient plus de réunions de famille, plus de soirées et une fermeture totale des bars. Donc, on va être obligé. Ben, moi, je bois plus, mais ceux qui boivent, vous allez vous saouler chez vous. C'est ça que ça veut dire. Mais un sursis semble improbable après que la France a signalé 16 972 nouveaux cas de coronavirus samedi seulement, le nombre quotidien le plus élevé depuis que le pays a commencé des tests généralisés. Les chiffres de l'Agence régionale de santé ARS montrent de nouveaux cas de coronavirus restant au-dessus de 250 pour 100 000 habitants à Paris. Un seuil déclenchant le protocole d'alerte maximale qui a déjà frappé les villes du sud d'Aix-en-Provence et de Marseille et leur environ, ainsi que les Français du territoire d'outre-mer de la Guadeloupe. Il n'y a aucune justification au déni, a déclaré dimanche le directeur de l'ARS pour la région parisienne, Aurélien Rousseau. Les chiffres sont ce qu'ils sont et ils pèsent lourdement, a-t-il tweeté. Nous sommes Français, nous adorons boire, malheureusement. S'imagine si les Français ne buvaient pas, ils seraient vraiment, vraiment intelligents. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a reconnu que la fermeture imminente des bars et des cafés serait dure pour toutes les personnes concernées. Coudon, en France, s'il n'y avait pas de bars et de cafés, y aurait-il une économie, d'après vous autres? Je pense pas. Je me demande si, avec la pandémie actuelle, il y a une diminution des taux d'accident et de mortalité sur la route. Peut-être. Nous sommes Français, nous aimons boire, manger, vivre, sourire et nous embrasser. Ça, c'est un petit peu faux. Les Français sont toujours en train de chialer puis de se plaindre. C'est pas vrai qu'ils aiment sourire. A-t-il déclaré dimanche aux diffuseurs LCI et Europe 1. Mais nous le faisons aussi parce que les gens le veulent, a-t-il ajouté. La télévision BFM a publié dimanche un sondage indiquant que 61% des habitants de Paris et de sa banlieue étaient favorables à une fermeture complète des bars qui sont actuellement autorisés à rester ouverts jusqu'à 22 heures. Le maire de Paris, Anne Hidalgo, a déclaré dimanche aux journalistes
que ce n'est pas un accord conclu. Il y a encore du travail en cours. Nous parlons toujours. Ils aiment parler, les Français. Ça, oui, ils aiment parler, hein, et fumer une bonne clope. Mais elle a également admis que la situation sanitaire était très grave. Le gouvernement a déclaré qu'il ciblerait principalement les établissements qui servent des boissons alcoolisées sans nourriture. Les restaurateurs espèrent toujours pouvoir éviter un sort similaire, du moins pour le moment. Les autorités sanitaires évaluent une proposition soumise par les restaurants pour des restrictions volontaires, y compris l'enregistrement de l'adresse domiciliaire de leurs clients et la limitation du nombre de personnes à chaque table, avant de soumettre leurs recommandations au gouvernement. D'autres grandes villes françaises, dont Lille, Lyon, Grenoble et Toulouse, se rapprochent également du seuil d'alerte maximale et des mesures similaires à celles de la capitale pourraient également leur être réservées. L'organisation patronale UMIH, qui représente les cafés, bars, hôtels, restaurants, brasseries et discothèques, a averti que 15 % des 220 000 établissements français du secteur sont menacés de faillite en raison des restrictions virales, avec jusqu'à 250 000 salariés confrontés au chômage. Le gouvernement a déclaré qu'il prendrait toutes les précautions nécessaires pour éviter un nouvel état d'urgence qui exigerait un verrouillage généralisé comme celui imposé au plus fort de l'épidémie, de la fin de la mi-mars à la mi-mai. Le bilan total des morts du pays à cause de la COVID-19 est de 32 198 après avoir enregistré 49 morts supplémentaires samedi, donc Paris se prépare pour un nouveau d'alerte maximale au coronavirus. Avez-vous compris, les adolescents, là?